Directeur exécutif RNDDH la Pierre Espérance mandé autorité la police avec la justice prend toute disposition pour passer code dans tout le monde qui participait dans crime ça. Monsieur Espérance précisé RNDDH déjà remettre by la police judiciaire tout élément information li joine sur assassinat ça. Pierre Espérance toujours devant caméra Mackinson Paul. Bon, nous pas dit on victime de insécurité, on a dit on victime de impunité qui gagne en dans pays là. C'est l'impunité d'abord qui institutionnalise li dans la société a, qui ba ou et insécurité a. Et victi et criminel yo y a dans la ria y a parézé et yo en connivence avec institution clé dans l'état, soit ou joint avec la justice ou bien et la police ou bien des autorités au plus haut niveau en dans l'état. Là par exemple où est tout effort que tu as fait pendant l'année 2013 là et 2014 pour démanteler gang et Galil là et les bandits et criminels sans foi ni loi yo ouais que ces autorités au plus haut niveau dans l'état qui utilisent appareil justice là pour libérer son la familia et Renel le récif eh ben yo senti yo confortable et yo continue à faire crime et dans société a pas oublier que assassinat ça vini quelques semaines après te gen toute une série d'attaques qu'a fait sur membre CPA sur et Jacques Seyis qui te recevoir des menaces et de coups de fil et anonyme et bon yo assassiné yon cousin ni et qui était dans cabinet li et ben nous espérer que la police avec la justice a fait travail pour joindre mobile criminel auteur intellectuel criminel auteur matériel criminel. L'organisme de droits humains, est-ce que nous avons une enquête par nous l'ouvrir sur la situation? Bon, qui ça nous fait? Nous parler avec Jacques Seyis, qui secteur droits humains a été choisi pour représenter la CEPA. Nous parler avec ma famille pour nous joindre des informations et qui ça qui est arrivé avant, est-ce que son monde qui te connaît recevoir menace etc. Bon, nous même information que nous gagnons et sa famille gagne nous partager avec la police judiciaire. Tout d'abord, c'est la police judiciaire qui pour faire bon enquête pour remettre by la justice pour que au capable de joindre mobile criminel auteur intellectuel criminel avec auteur matériel criminel exécutant. Wilkinson Basile, qui était fait Port-au-Prince en date 29 mars 1984, il était décroché en licence en génie électromécanique dans la faculté des sciences Université l'État et puis il était étudié en deuxième année INAGUE. Wilkinson Basile, qui a travaillé comme administrateur dans le cabinet conseiller électoral Jacques Seyis Joseph, a eu un gros engagement tout dans l'église Adventiste de la Réunion quand il était marché. Après la cérémonie, le cortège funèbre a pris direction cimetière Port-au-Prince côté où il était enterré.